gorgée de liquide devient plus important. Autrement dit, chaque bouchée doit être délicieuse, différente et éveiller notre intérêt. À ces fins, le coût n'est généralement pas ce qui compte. Trouver des aliments intéressants et, peut-être, servir des repas plus nouveaux qu'une autre maîtresse de maison est devenue la grande passion des Américains. Les cuisines de tout pays et les aliments importés du monde entier nous sont devenus très familiers. De nos jours, toute grande ville offre des comptoirs de sushis japonais, des restaurants éthiopiens et des restaurants thaïlandais. De plus, il nous est possible de nous procurer presque partout plus d'aliments divers et exotiques, importés ou non. Les rayons de notre marchand de vin sont remplis de produits d'importation tels que le vinaigre balsamique et la moutarde pommerie. Il y a au moins 5 excellents pâtés confectionnés aux États-Unis. Au moins une centaine de vins français vendus au détail entre 3$ et 100$. Ce dernier prix pour un Château Lafite 1970. En outre, si on ne trouve pas ce qu'on veut localement, on peut toujours le commander sur catalogue. J'ai moi-même reçu à Noël une douzaine de catalogues de produits fins alimentaires, sans faire mention de ceux des marchands de vin. J'ai commandé du pudding de Noël, du lard canadien et des abricots secs. Tout est arrivé sans délai et je n'ai pas perdu de temps. Ce qui est plus important encore, c'est que les commandes sur catalogue et la publicité traditionnelle renseignent